Bonjour à tous. Aujourd'hui, le troisième volet de ma série sur un reportage que j'ai fait en octobre 1992 autour de Sarajevo. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je suis allé à Gorbavica, puis à Dobrinja. Et dans le deuxième volet, dans le deuxième épisode, de Dobrinja à Vogoša. Et c'est à partir de là que je commence mon troisième récit. Je mets à votre disposition les liens de ces deux récits dans ma description. Donc me voilà encore à Vogoša. Et je vois enfin les pièces d'artillerie qui bombardent Sarajevo. Les canons serbes tonnent toute la journée. Ce sont des obus que nous avons tous pris sur la tête. Incroyable. La maison rouge, tu tires là, sous la maison, il y a des hommes qui sont planqués. Vise aussi un peu sur la droite. Attendez un peu qu'ils soient découverts. Vas-y. Enfin, nous pouvons reprendre la route vers Nizarici. Nous sommes au 11e jour du reportage. Tous les membres de cette section sentent que la maison est proche, que leur maison est proche. Après Ilidža que nous traversons, nous arrivons enfin à Sarajevo. Là-bas, au loin, l'usine fameuse brûle. Elle a été bombardée depuis plus de 2 jours. L'ONU tente de s'interposer entre les lignes de front, en vain. Nous allons arriver bientôt, très bientôt. Zoran, Niki, la baguette ne dissimulent plus leur joie. Ils sont enfin arrivés à destination. Chez eux, à Nizarici. Au quartier général, ils sont immédiatement pris en charge par la milice. Bien sûr que je suis heureux. Après 2 mois d'absence, revenir à Nizarici, à la maison. Zoran éclate de joie. Ouais, malheureusement, la guerre n'est pas très loin. Jamais très loin. Ce quartier, comme tous les quartiers de Sarajevo, est complètement détruit par les combats. Direction, la ligne de front.
En face de nous, rien que des ruines. Au loin, le quartier général de l'ONU, le village olympique, et la partie de Dobrinja que les forces bosniaques ont réussi à conserver malgré la pluie d'obus qui s'est abattue sur ce quartier. C'est alors que Zoran me demande de le suivre. Il veut me montrer son école, qui est vraiment sur la première ligne. Un bâtiment complètement détruit. Sur la première ligne, un bâtiment d'un étage, l'école de Zoran. C'était la classe principale. Je n'aimais aucune matière. Je n'aimais pas étudier. Mais je me débrouillais. En haut, c'était les maths. Il y avait un aquarium. Tous les jours, je prenais un poisson dans un sac en plastique. C'était là, à côté d'une table, sur un des piliers. Ah, ça me donne des frissons. Dans l'école, il retrouve sa classe d'avant la guerre. C'était la place de mon frère, et moi j'étais ici. Ici, j'ai gribouillé Zorka, ou quelque chose comme ça. Que j'enlève mon casque. Voilà mon cahier de notes. On avait une prof serbo-croate et à 5 à 6 copains, on avait décidé de lui faire une farce. On avait collé une punaise avec du chewing-gum sur sa chaise. Quand elle est rentrée, on s'est tous levés pour la saluer. Et elle a dit « Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Aujourd'hui, on va étudier. » Et elle a fait un bond en hurlant. Zoran, est-ce que c'est toi ? C'était le bon temps. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble ? Ces cours étaient dispensés par des professeurs de tous les bords. J'avais plein de copains musulmans et croates. Qu'est-ce que vous aviez comme professeur ? La majorité des profs étaient musulmans et croates. Il n'y avait que 4 ou 5 serbes. C'était comme ça dans cette école. Pour moi, c'est horrible de voir tout ça. Pourtant, on était tous ensemble dans cette école. Même les parents y venaient. À l'accrochage, il faut se planquer. Il monte au front. Là, j'essaye de monter sur un blindé, mais les Serbes qui sont à l'intérieur refusent. Alors, je cours derrière. Ah.
puis un blindé repasse, je peux enfin suivre Zoran, qui est dans une maison détruite. Et là, devant moi, le jeune homme qui ne voulait pas faire la guerre, qui voulait partir en France pour fuir cette guerre, eh bien, je le vois en train de se faire rattraper par elle. Il se transforme. Voilà, il tue. Tiens, une voiture qui passe. Merveilleux. Viens voir, je l'ai eu en pleine tête. C'est cette violence qui n'épargne personne et qui précipite tous les combattants des guerres civiles dans l'horreur et la mort. Voilà. C'était un récit sur une vingtaine de jours passés aux alentours de Sarajevo avec une section de jeunes Serbes. À bientôt sur ma chaîne.